Michel Viano, Lanza Karim Pouvoira, Patrick Lohanba, Léon Ba Patrick, Basini Alice Pouvoir, Madame Moitri, Salou Abder, Pronesti Dominique, Mercurio Frédéric, Rofani Brigitte Pouvoir, Monsieur Salou, Giraud Guy, Ricardi Evelyne Pouvoir, Éric Chalvin, Chalvin Éric, Chinka Gisèle, Crépin Robert, Mirandon Gilbert, Crépin Charléline, Pouvoir, Monsieur Crépin Robert, Pêche Jean-Loup vient nous envoyer un SMS, il arrive, il a un peu de retard. Falcou Jean-Brel. Présent. Donc, je vous propose comme secrétaire de séance Karine Bonicelli, qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc, nous allons passer au point 1, approbation du procès verbal du Conseil municipal du 18 mars 2016. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Pardon? Non? J'ai entendu. Point 2, décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, vu la délibération en date du 23 avril 2014 complétée par la délibération du 23 mai 2014, il est demandé au conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes, DC 1508-0143 en date du 10-08-2015, et ensuite les décisions allant de 1603-0066 à DC 1603-0126 du 15 mars 2016. Est-ce que vous avez des remarques particulières par rapport à ces décisions ou des questions? Oui, M. Falcou. Oui, une remarque sur la décision 78. Vous avez prévu donc de réclamer les conseils d'une société conseil pour 36 000 euros pour rédiger le cahier des charges de du futur délégataire cantine scolaire. Alors, on en a parlé un petit peu en commission des menus. C'était pour que vous nous confirmiez qu'il y aura bien une réunion avec tous les élus pour l'élaboration du cahier des charges qui ne serait pas encore rédigé et qu'on pourra participer en amont à sa rédaction et envisager les différentes possibilités, notamment ce qui concerne la fin des repas de substitution. C'est pas vraiment prévu, mais qui est-ce qui vous a dit ça? Lors de la délibération, parce qu'il s'élabore en ce moment juridiquement. Donc effectivement, il va y avoir une réunion avant de lancer de consultation. Mais pour l'élaboration, ça va aussi, parce que c'est très lourd. Et pour le moment, on laisse travailler les services juridiques. Après, effectivement, on pourrait intervenir sur des points spécifiques. Voilà. Donc c'est une réunion où vous nous présenterez le fruit de votre travail. Et est-ce qu'on pourra avoir une incidence sur ce cahier des charges en tant qu'élu? Un débat. Après, comme vous le savez, vous l'avez compris, c'est la majorité qui décide, hein, soyons clairs. Mais pour autant, on peut faire des variations, puisque comme la commission des menus, on peut apporter des modifications. Sur la ligne directrice, c'est bien évident, c'est l'équipe en charge qui va piloter ce cahier des charges. Et donc l'idée directrice, apparemment, vous l'avez déjà plus ou moins en tête. Est-ce que vous non, pouvez... on l'a pas en tête. On reprend un peu ce qu'on souhaite, ce qui a été fait, qui fonctionnait jusqu'à présent, avec des modifications. Mais là, je laisse Madame Sacchelli, qui est plus en compétence. Oui, nous avons fait la commission. Nous avions prévu effectivement de vous faire participer. Les parents d'élèves nous ont demandé, les parents d'élèves là, nous n'avons rien dit, nous ne savons pas. Les modifications que vous pouvez apporter, c'est sur les lignes. Les grandes lignes sont quand même faites par le service juridique. Et je vous ai proposé que Mme Pibert vienne, comme c'était prévu, vienne vous faire la présentation elle-même. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez annoncer publiquement quelle est votre idée pour... qu'est-ce qui va se passer dans les cantines scolaires concrètement l'année prochaine? Parce que les parents n'ont pas eu encore d'écho clair. Est-ce que vous pouvez nous le dire maintenant ou est-ce que vous voulez attendre encore un petit peu avant d'annoncer? Nous allons attendre encore un petit peu. Vous attendez encore un petit peu. D'autres questions? Non. Donc on va passer
au point 3, demande de dénomination commune touristique, Monsieur Bertrand. Madame le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, tout d'abord une bonne nouvelle. Vous rappelez qu'au dernier conseil, l'an dernier, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant sur la demande de placement de la maison de l'office de tourisme en catégorie 2. Donc je m'en suis personnellement occupé, j'ai téléphoné à la préfecture pour essayer d'activer les choses. Et ça a bien fonctionné puisque l'EPIC avait rendu sa copie très, très rapidement. Et donc je peux vous annoncer ce soir que l'EPIC est bien classé en catégorie 2. Voilà, c'est une bonne chose à mon avis. Alors justement, ce soir nous allons débattre de la demande de classement en station de tourisme. Par délibération du 12 février 2016, le conseil municipal a sollicité le classement de l'office du tourisme en catégorie 2. Donc c'est fait. La ville de Vallauris est classée depuis le 9 décembre 1990 commune touristique, commune balnéaire. Ces classements ont été abandonnés au profit d'une seule dénomination, commune touristique, qu'il convient de solliciter auprès de M. le préfet des Alpes-Maritimes pour une durée de 5 ans. Parallèlement, afin d'obtenir le label station classée de tourisme, il est également utile d'engager les procédures nécessaires à cette appellation dans le cadre du développement économique de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal, vu les articles L133-11 et R133-32 du Code du tourisme, de solliciter la dénomination commune touristique auprès de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes et d'engager les formalités nécessaires à l'obtention du label station classée de tourisme. Donc si vous voulez, en raccourci, il y a deux étapes pour que la ville puisse avoir un classement en station de tourisme. La première, c'est de demander sa dénomination et ensuite de demander l'obtention du label station classée commune touristique. Voilà. Des questions ? Non ? Donc nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 4, EPIC du tourisme, budget principal et annexe, exercice 2016. Bertrand. Merci, Madame la maire. Donc le budget principal annexe, évidemment, a été voté au comité directeur de l'EPIC. Et il faut que je vous le présente ce soir, comme le demande la réglementation. Donc, l'établissement public industriel et commercial dédié à la gestion du tourisme exerce les missions de promotion touristique et par convention express l'organisation de certains événements. En application de l'article L133-8 du Code du tourisme, les budgets et comptes de l'office délibérés par le comité de direction en sa séance du 14 avril 2016 sont soumis à l'approbation, tout simplement, du conseil municipal. Le budget principal et le budget annexe de l'EPIC pour l'année 2016 se présentent de la manière suivante. Donc, vous avez un budget principal 2016 en investissement des dépenses à hauteur de 41 430,85 € et des recettes pour 38 662,85 €, les mouvements de route pour 2 768 €. Au niveau fonctionnement, des dépenses pour 650 420,98 € et des recettes avec des mouvements d'ordre de 2 768 €, ce qui fait un montant total de 653 188,98 €, des recettes pour 653 188,98 €. Voilà, au niveau du budget annexe. Alors, au niveau investissement, dépenses 13 119,15 €. Au niveau recettes, 9 568,15 €. Mouvement d'or, 3 551 €. Ce sont les amortissements, bien sûr. Au niveau du fonctionnement, dépenses, mouvement réel, 118 115,85 €. Mouvement d'ordre, même chose, 3 551 €, ce qui fait 121 660,96 €. Au niveau recettes, 121 666,85 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les budgets principaux et annexes 2016 adoptés par le comité de directeurs des pays du tourisme de Vallauris, Golfe Juan. Voilà, Madame le maire. Des questions ? Non ? Oui ? Juste une explication de vote. Je m'abstiendrai sur ce document parce qu'il est difficile de comprendre à quoi correspondent les chiffres, puisqu'on n'a que les sommes définitives et pas le détail, et qu'il n'y a pas de rapport d'activité joint. Donc là, je m'abstiendrai. Concerne dans le groupe, c'est la même chose. Pas d'explication, pas d'étail, tout sommaire. Si vous avez des questions, je peux vous les
donner les détails. Après, on aurait voulu avoir après, un document annexé qui détaille. Après, vous avez tout à l'Office du tourisme, tout est transparent, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous voulez les détails, posez-moi des questions, il n'y a aucun problème, je vous donne les détails. On aurait souhaité avoir en annexe le budget, l'intégralité du budget. C'est tout. Merci. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 5, délégation du Conseil municipal, article L2122-22, quatrième du Code général des collectivités territoriales. Mise à jour, Monsieur Viano. Suite à la directive européenne relative à la passation des marchés publics du 26 février 2014, imposant une transposition en droit français avant le 18 avril 2016, une refonte plus large du droit de la commande publique a été menée dans le but de simplification, rationalisation et modernisation. Cette refonte doit donner lieu à la création d'un nouveau code, code de la commande publique, qui va rassembler divers textes couvrant à la fois les marchés publics, mais aussi les contrats de concession. Une première étape concernant les marchés publics est intervenue avec la publication d'une ordonnance en date du 23 juillet 2015, complétée par un décret en date du 25 mars 2016. Ces deux textes abrogent le code des marchés publics et fixent de nouvelles règles de passation et d'exécution qui sont entrées en application le 1er avril 2016. Dans ce nouveau cadre, les dispositions qui régissent les avenants ont évolué, car le décret numéro 2016-360 substitue à la notion d'avenant celle de modification des contrats en cours d'exécution. Pour ce qui concerne le degré de délégation du Conseil au maire des compétences liées au marché public, le dispositif préexistant est reconnu. Aussi, convient-il de prendre acte de ce changement de terminologie, notamment pour ce qui concerne les délégations données par le Conseil municipal au maire, prévues à l'article L2122-24 du Code général des collectivités territoriales, visant spécifiquement l'autorisation de prendre les décisions concernant la préparation, l'exécution et le règlement de marché et d'accord cadre, ainsi que leur amendement. Il est donc proposé de modifier la délégation accordée à Mme le maire pour la durée du mandat pour les dispositions prévues au quatrième paragraphe de l'article 21-22-22 de la délibération 1404-001 du 23 avril 2014, ainsi rédigée. Le maire est autorisé à prendre toutes les décisions en tant que pouvoir adjudicateur concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, accord cadre et modification en cours d'exécution du contrat pour les procédures inférieures au seuil défini réglementairement, 209 000 euros pour les fournitures et 5 millions d'euros pour les travaux. Donc la nouvelle écriture, le maire est autorisé à prendre toute décision en tant que pouvoir adjudicateur concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, accord cadre et modification en cours d'exécution du contrat pour les procédures visant les services sociaux, les services juridiques et autres services spécifiques liés aux joints officiels inférieurs au seuil défini réglementairement, c'est-à-dire 209 000 euros. Pour toutes les procédures supérieures au seuil, définies par la réglementation en vigueur, quel que soit l'objet, la signature des pièces contractuelles et les modifications en cours d'exécution du contrat qui s'y rattachent, est soumise à l'autorisation du Conseil municipal. Des questions particulières ? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 6, réforme du régime juridique des marchés publics, mise à jour de la commission d'appel d'offres. Monsieur Piani. Suite à la directive européenne relative à la passation des marchés publics du 26 février 2014, c'est la même chose que tout à l'heure, imposant une transposition en droit français avant le 18 avril 2016, une refonte plus large du droit de la commande publique a été menée dans le but de la simplification, la rationalisation et la modernisation. Cette refonte doit donner lieu à la création d'un nouveau code, le code de la commande publique, qui va rassembler divers textes couvrant à la fois les marchés publics et les contrats de concession. Une première étape concernant les marchés publics est intervenue avec la publication d'une ordonnance en date du 23 juillet 2015, complétée par un décret en date du 25 mars 2016. Ces deux textes abrogent le code des marchés publics et fixent les nouvelles règles de passation et d'exécution qui sont entrées en application le 1er avril 2016. Dans ce nouveau cadre, les dispositions qui régissent les commissions d'appel d'offres ont été intégrées dans le Code général des collectivités territoriales. Celui-ci vise désormais la composition et le mode d'élection des membres de la commission,
articles combinés L14-11-5 et L21-21-22, ainsi que dans son rôle, article L14-14-2. Ainsi, pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen tel que publié au Journal officiel de la République française, à ce jour 209 000 euros pour les fournitures et 5 millions d'euros pour les travaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. Celle-ci est composée d'un président ou son représentant et de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation professionnelle au plus fort ratio. À la représentation proportionnelle au plus fort ratio. Je l'assume. Le vote a lieu à bulletin secret sur la base de listes préalablement déposées. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'exécution d'élections de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Les membres de la commission sont désignés pour la durée du mandat restant en cours. Peuvent également participer à la commission avec voix consultative, le comptable de la collectivité, un représentant du ministre chargé de la concurrence et des personnalités ou agents de la commune en raison de leurs compétences en matière de marché, du marché public examiné. Les missions de la commission d'appel d'offres sont les suivantes. Choisir le ou les titulaires dans le cadre des marchés publics dont les montants sont supérieurs au seuil susvisé. Donner un avis sur les avenants entraînant une augmentation du montant global du marché supérieur à 5% dès lors que ces avenants concernent des marchés soumis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'Assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis. Il est donc proposé au Conseil municipal l'application des nouveaux fondements juridiques applicables à la commission d'appel d'offres. Donc, une seule question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on maintient les membres de la commission telle qu'elle ou est-ce qu'on reprocède à la commission? Ben, je ne sais pas, peut-être que vous et moi. Pour la commission d'appel d'offres, on maintient. Vous vous proposez de maintenir les membres actuels? Voilà, c'est ça. D'accord. Un petit complément quand même, pour que ce soit plus clair. La nouvelle réglementation, elle supprime les commissions d'ouverture de plis. Les ouvertures de plis se feront par les mutuelles des marchés avec les fonctionnaires. Un rapport sera fait, ce rapport vous sera donné, mais on ne fera plus. Enfin, il nous est demandé de ne plus faire de commission d'appel d'offres pour l'ouverture des plis. Voilà. C'est la réglementation. D'autres questions ? Non, je ne sais pas le compte. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah. Oui, vous avez une question? D'accord. Merci. Je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 7. Marché d'impression, convention de groupement, de commande de public, ville. Monsieur Vianon. L'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 portant réforme de la commande publique vise à la possibilité de constituer un groupement de commandes entre acheteurs publics. L'intérêt, c'est de faire baisser les prix. Ces groupements dépourvus de personnalité morale peuvent concerner tous les types de marchés. Ils permettent aux acheteurs publics de coordonner, de regrouper leurs achats pour réaliser des économies d'échelle, ainsi que pour obtenir une meilleure coordination administrative et technique. Dans cette optique, la commune de Valoris-Golfe-Juan et les PIC, Maison du tourisme de Valoris-Golfe-Juan, ont décidé de s'associer afin de constituer un groupement de commandes portant sur les services d'impression, comme cela avait déjà été fait lors de la précédente procédure en 2011. Pour ce faire, une convention doit être signée par les futurs membres. La convention détaille les points suivants, l'objet du futur marché et un descriptif des prestations concernées, la procédure de mise en concurrence appelée à être mise en œuvre selon les dispositions du Code de la commande publique, les modalités de fonctionnement du groupement, et dans ce cadre sont déterminés en particulier le coordonnateur du groupe et ses missions, ainsi que les conditions visant à opérer le choix du ou des futurs contractants. Dans son annexe, note technique, définition des lots, des estimations financières, des délais d'exécution et de la durée des marchés.
La convention prendra effet à la date de sa transmission en sous-préfecture et prendra fin à l'issue de l'exécution des marchés, objet du groupement. Il est précisé que chaque membre d'un groupement réinscrit le montant de l'opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité ou de son établissement et assure l'exécution comptable du ou des marchés qui le concernent. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention de constitution du groupement entre la commune et les pics maisons du tourisme, portant sur la passation d'une procédure de marché public de service d'animation, d'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires pour la mise en œuvre et la bonne exécution de la convention. Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ces marchés seront inscrits au budget de l'exercice 2007 de la commune pour la part qui lui incombe. Le projet de convention est consultable au secrétariat général. Des questions ? Non ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 8, parcelle CE 1028, acquisition, monsieur Vianney. Alors, le chemin des Darboussières avait été élargi au niveau de la parcelle cadastrée CE 206 et aucun acte de cession n'avait été constaté, le transfert de propriété. En vérité, on avait élargi une voie, un propriétaire nous avait donné le terrain, on n'avait pas fait les papiers pour que le terrain passe dans le domaine public. Ce monsieur, c'est monsieur Kram, propriétaire de la parcelle, a interpellé la commune par un courrier du 29 juillet 2015. Cette partie de voie affectée à l'usage public étant restée dans le domaine privé de ce propriétaire, la commune doit procéder à une régularisation pour incorporer cette portion dans le domaine public. Alors c'est important parce que si demain on a un tout à l'égout, un pluvial à faire, il faut qu'on soit en domaine public. Et à l'heure actuelle, on était en domaine privé. Le géomètre a réalisé le document d'arpentage correspondant à la régularisation administrative à effectuer comme suit. La parcelle CE 206 deviendra pour le vendeur CE 1029 pour une superficie de 1758 m² et pour la commune, la parcelle CE 1028 pour une superficie de 161 m² qui vont devenir publics. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter l'acquisition du terrain ci-dessus visé pour l'euro symbolique qui sera incorporé au domaine public de la commune. Madame le maire recevant l'acte, tel un notaire, d'autoriser monsieur le maire délégué à l'urbanisme à signer les documents à intervenir à cet effet. Des questions ? Non ? Nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 9, LEC juge Linette, rachat de titre, autorisation, monsieur Vianney. Alors, le LEC de madame juge est devenu effectif à partir d'aujourd'hui. On a reçu tous les papiers comme quoi le leg était validé par l'État. Donc la ville de Valoris-Golfe-Juan a accepté par délibération en date du 18 mars 2007 le leg de Madame Ginette Juge. La commune a été destinataire dans la composition de la succession de 135 titres de capitalisation au porteur, évalués à 370 793,90 €, dont la CNP doit confirmer la valeur. Donc la CNP, c'est la Caisse nationale de prévoyance. Ci-dessous référencé, conformément au relevé, joint à la présence, du 7 mars 2016, rendu par maître Bensoussan. Donc il y a tous les bons qui sont du 16 448,38 jusqu'au 164 846 à 1 500 € chacun. Il y a le 164 847 à 1 800 €. Il y a le 148-863 jusqu'au 148-872 à 3 000 € chacun, le 148-873 à 3 450 €, du numéro 168-432 jusqu'au 168-445, 1 500 € chacun, le 168-448-300 €, 170-850 jusqu'au 170-857, 1 500 € par bon, le 170-858, 900 €, du 156-040 jusqu'au 156-046, 3 000 € chacun, du 025-395 jusqu'au 025-398, 80 000 francs chacun. Et là, on a changé de... Il va falloir convertir le numéro 026-265 de 80 000 francs,
le 0,84 262 jusqu'au 0,84 266, 60 000 francs chacun. Du 0,84 876 jusqu'au 0,84 895, de 20 000 francs chacun. Du 151,775 jusqu'au 151,792, de 3 000 euros chacun. Du 151,793, 300 euros. Le 178,959 jusqu'au 178,966, 1 500 euros chacun. Le 178,976, 450 euros. Du 185,991 jusqu'au 185,999, 900 euros chacun. Du 174,858 jusqu'au 174,865, 1 500 euros chacun. Du 177,421 jusqu'au 177,427, 1 600 euros chacun. Le 177,428, 750 euros. Maître Roger Mensoussan, chargé de la succession de Mme Ginette Juif, demande à la commune l'autorisation de procéder au rachat de ses bons de capitalisation consignés dans le coffre-fort de son étude. Aussi, la commune de Valoris, en sa qualité de légataire universel de la succession de Mme Ginette Juif, demande le rachat de l'intégralité des 135 titres de capitalisation au porteur, majorés des intérêts souscrits par la défunte auprès de la CNB, et de remettre l'intégralité des fonds entre les mains de Maître Roger Mensoussan, afin de respecter les conditions énoncées par Mme Ginette Juif. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Mme Le Maire à solliciter le rachat des titres de capitalisation par la CNP, majorés des intérêts référencés dans l'inventaire de l'étude SCP Mensoussan du 7 mars 2007 et à signer tous les documents se rapportant à la présente de décision. Des questions ? Non, on procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 10, caisse d'allocation familiale, prestation de service unique, convention, Madame Sakeli. La prestation de service unique est une aide de fonctionnement versée par la Caisse nationale d'allocation familiale aux gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune enfant, qui représente 66% du prix du revient horaire de l'accueil de chaque enfant. Les modalités d'intervention et de versement de cette prestation de service unique sont définies dans les conventions d'objectifs et de financement. Pour la commune de Valoris-Golfe-Juan, les établissements de Farandole, Lipichou, Les Clos et Les Petits Cœurs sont éligibles à cette prestation. Ces conventions sont conclues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Mme Le Maire à signer les conventions d'objectifs et de financement de la prestation de service unique ci-jointe. Des questions ? Nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 11, quant à l'allocation familiale, prestation du service unique à Venon. Madame Sakeli. À compter de 2016, la Caisse d'allocation familiale propose de mettre en place une nouvelle gestion des données administratives communiquées par le service Petite Enfance des collectivités territoriales. À ce titre, le portail CAF Partenaire est un nouvel outil qui permet la télédéclaration des données d'activité et financières nécessaire au traitement des droits de la prestation de service unique. L'utilisation de ce service fait l'objet d'un avenant aux conventions d'objectifs et de financement de la prestation de service unique. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Mme Le Maire à signer les avenants ci-joints. Des questions ? Procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 12, relais assistant maternel, financement conseil départemental, convention. Une convention entre la commune de Valoris-Golfe-Juan et le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour le fonctionnement du relais assistant maternel est renouvelée chaque année. Elle définit les missions du relais assistant maternel, les modalités pratiques, le financement, la durée et les modalités de résiliation.
Ainsi, le relais doit favoriser la rencontre assistant maternel-parent, renseigner les parents dans leurs démarches administratives, informer les assistants maternels, organiser des réunions d'information à destination des candidats à cette profession, participer et proposer des animations dans le secteur de la petite enfance. Pour la réalisation des émissions, le conseil départemental verse une fois par an une participation équivalente à 10% du prix plafond de la prestation de service relais assistant maternel fixé annuellement par la caisse d'allocation familiale. Le conseil départemental effectuera des visites régulières dans le relais pour apprécier le fonctionnement. Il s'engage à mettre à disposition du relais la liste des assistants maternels de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Des questions ? Nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 13, participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, convention, Madame Sakiri. Des enfants résidant sur la commune de Valoris-Golfe-Juan sont scolarisés en classe de maternelle et ou élémentaire dans des établissements d'enseignement privé. Les dispositions liées à la scolarisation des élèves dans les établissements scolaires du primaire fixe notamment la répartition des charges de fonctionnement des écoles accueillant des élèves issus d'autres communes. Le montant de la participation est fixé avec la commune de résidence et est formalisé par une convention. À défaut d'accord, il revient au préfet d'arbitrer à permis du conseil départemental de l'éducation. À ce titre, il est proposé au conseil municipal de renouveler les conventions à intervenir avec les écoles privées situées sur les communes de Cannes et de Grasse, d'approuver le forfait communal relatif aux frais de fonctionnement appliqué à la commune de Valoris-Golfe-Juan, fixé pour l'année scolaire 2015-2016 au titre de l'enseignement maternel et ou élémentaire d'un élève pour l'école locataire de Cannes à 602,46 €. L'école Sainte-Marie de Cannes à 602,45 €, l'école Stanislas de Cannes à 852,37 €, l'école Fénelon de Grasse à 615,18 €. D'autoriser Madame le maire à signer les conventions correspondantes avec ces établissements privés situés sur les communes de Cannes et de Grasse. Des questions ? Oui, s'il vous plaît. Une information, s'il vous plaît. Le nombre d'enfants concernés par le dispositif. Vous avez le chiffre. Oui. Alors, pour sur Sainte-Marie, je peux vous dire le... On me donne des chiffres globaux, parce qu'il y a aussi la Tramontane, ça en fait partie. Voilà. Ce n'est pas dans la convention, sur, dans une des conventions, mais... Voilà, pour la ville d'Antibes, voilà. Y compris la ville d'Antibes, nous avons pour 204,157 € pour l'année 2015. Le chiffre global, je ne l'ai pas, je l'assure, mais je peux vous le donner demain, si vous voulez. Bon. La prochaine fois, vous mettrez dans votre lettre. Merci. D'autres questions ? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 14, mise en accessibilité et travaux sur divers bâtiments communaux. Demande de subvention, Monsieur Salmon. Au titre du budget 2016, un certain nombre de projets mis en accessibilité et travaux de réfection ont été retenus concernant les bâtiments communaux tels que les églises, le château-musée ou l'espace loisir. Dans l'église Saint-Pierre, les travaux consistent à reprendre les enduits à la chaux grasse, les murs du clocher intérieur et extérieur, à remplacer l'escalier traditionnel par un escalier métallique, à réaliser la réfection de la toiture terrasse du clocher, à organiser la création d'un accès handicapé et à la mise en conformité des installations électriques. Le coût des travaux est estimé à un montant de 196 662 € hors taxes. S'agissant de l'espace loisir, il y a lieu de remplacer le groupe d'eau placée par une pompe à chaleur plus performante pour maîtriser les consommations énergétiques. Le coût des travaux, 55 000 € hors taxes, qui peut être subventionné au titre de la réserve parlementaire de M. le député Bernard Brochamp. S'agissant du château-musée, il y a lieu de procéder notamment à la mise en accessibilité du bâtiment dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé. Les travaux consistent à la création d'un ascenseur dans la tour nord du château pour accéder aux trois niveaux,
à la création d'une plateforme en groupe galerie afin de pouvoir accéder à l'ensemble des collections Art Nouveau et Art Déco, à aménager les sanitaires du rez-de-chaussée pour les rendre accessibles aux handicapés et à créer un deuxième sanitaire accessible au deuxième étage, à rénover les éclairages des salles et des circulations horizontales, à réorganiser les locaux administratifs, à mettre en place une signalétique adaptée et à sécuriser les œuvres par la mise en place d'un dispositif de protection. Le coût des travaux est estimé à 400 000 euros hors taxe. De plus, ces travaux nécessitent la participation d'une maîtrise d'œuvre spécialisée afin de respecter les contraintes techniques et architecturales imposées par les monuments historiques. Le coût estimé des études est de 56 000 euros hors taxe. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la première tranche de l'agenda d'accessibilité programmée, le lancement de la première tranche des travaux sur la période 2016-2018 représentera un coût d'1 095 840 euros hors taxe et concernera la grande majorité des bâtiments publics communaux. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'ensemble de ces travaux, d'autoriser Madame le maire à engager les dépenses nécessaires, les crédits étant prévus au budget 2016, et de solliciter des subventions auprès de la région, du département de la CASA, mais également de l'État, dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement, créé pour l'année 2016 par la loi de finances, dans le but de relancer l'investissement public local, et au titre de la réserve parlementaire de M. le député Bernard Brochot. Des questions? Oui, une seule, s'il vous plaît, madame. Dans la délibération d'autoriser Mme le maire à engager les dépenses nécessaires, les crédits étant prévus au budget 2016, pour savoir quel montant les crédits prévus sur le budget 2016, la vente. Je n'ai pas le montant exactement en tête, mais grosso modo, les travaux qui sont prévus sont budgétés en 2016, puisqu'ils avaient déjà fait l'objet d'une présentation et d'une délibération au conseil municipal. Donc ici, on est plus dans la demande d'une subvention que dans l'autorisation des travaux et des dépenses à réaliser. Oui, d'accord, mais j'entends bien. Moi, ce que je voulais avoir, c'est le chiffre. C'est la totalité des travaux qui ont été présentés, c'est-à-dire les 57. Il faut faire la somme ici des travaux. Tous ces travaux-là, la totalité se trouve au budget. Parce que vous lissez l'opération sur trois années, 2016. Oui, c'est ça. Ils sont lissés sur les trois années, suivant la présentation qui avait été faite. Donc vous faites des tranches annuelles. Par tranche annuelle, vous aurez pu prévoir que la quotidienne est nécessaire à l'exécution de ces dépenses. J'ai les travaux qui ont été dissociés de l'ensemble du plan d'accessibilité ont été budgétés à 2016. Les travaux qui sont lissés pour la période 2016-2018 ont été budgétés sur la période 2016 tels qu'ils avaient été présentés dans une séance au conseil municipal. Je vais vérifier. Ok, merci. En fait, j'avais la même question parce que je ne trouvais pas ça clair sur les travaux d'accessibilité pour 1 095 000 euros. Je voulais savoir en 2016 ce qui avait été budgété pour 2016, pour 2017 et pour 2018, puisque finalement là on parle du budget 2016, donc on ne parle pas du budget 2017-2018. Vous avez eu un plan présenté sur les 9 années, comme il était demandé par la réglementation, qui avait été présenté au conseil municipal d'une séance courant de l'année dernière, je crois, et qui avait été voté. Et sur cette présentation-là, on avait listé les priorités et les années de réalisation des travaux. Donc je n'ai plus le chiffre en tête, mais le document est à votre disposition. Okay. Oui, c'était ce chiffre. Donc je fais ça. Et l'autre question, on parle de l'église Saint-Pierre, etc. Sur l'église Saint-Anne, c'est sur quel budget? C'est pas sur 2016, les travaux qui sont engagés? Sur l'église Saint-Anne, on fait la réfection des peintures intérieures et on refait la réfection de l'étanchéité, parce que ça ne sert à rien de peindre l'intérieur si on ne fait pas l'étanchéité de la toiture. Donc les travaux qui sont lancés et qui ont débuté maintenant portent sur la peinture et sur l'étanchéité de la toiture, et les travaux d'accessibilité sont pour faire l'étanchéité. J'entends bien, mais juste l'église Saint-Anne, le budget, c'est sur cette année. Et finalement, pourquoi il est dissocié des... Ou alors j'ai raté quelque chose. C'était la question. Ça, vous parlez de l'église Saint-Pierre. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours à l'église Saint-Anne. Tout à fait. Ils sont en 2016. Oui. Au mois d'avril. Les travaux vont se terminer au mois de mai et juin. Oui. Par là. Sur quel budget? C'est sur 2016. Sur 2016. Et pourquoi dans cette délibération, ça n'apparaît pas? Parce qu'il y a... Parce qu'on est seulement sur l'accessibilité, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que là, on parle de plusieurs sujets, puisqu'on prend les enduits à la chaux de l'église Saint-Pierre, c'est pas de l'accessibilité, que je sache. C'est une demande de subvention qui est passée pour ces travaux-là. J'ai bien compris. C'est pas le sens de la délibération, puisque la délibération dit qu'on a approuvé l'ensemble de ces travaux. Ça, j'entends bien. Il y a deux étages. Il y a des travaux d'accessibilité qui ont été chiffrés pour 1 million, et il y a d'autres travaux. Il y a les travaux de la PAC.
à 55 000 euros hors taxe. Il y a des travaux de l'église qui ont été chiffrés, et effectivement, ce ne sont pas des travaux d'accessibilité. D'accord. C'est pour ça que Sainte-Anne n'apparaît pas, parce que sur Sainte-Anne, il n'y a pas d'accessibilité. Enfin, parce qu'elle est déjà une porte sur le côté, c'est ça? Tout à fait. Et au niveau des travaux de Sainte-Anne, ils sont évalués à combien? Vous avez une idée? De mémoire, la rénovation des peintures est un budget de l'ordre de 70 000 euros. 85 TTC, j'ai plus le voilà, 70 sortant à 85 TTC. Et je ne sais plus si la réfection d'étanchéité est comprise dedans, parce que moi je parlais de la peinture, 85 l'étanchéité, c'est peut-être une quinzaine de milliers d'euros ou 20 000 euros. J'ai bien sûr à votre disposition, si vous le souhaitez, les notices explicatives pour le château musée, l'église Saint-Pierre, les mises en œuvre de l'agenda d'accessibilité, le remplacement des eaux au groupe glacé, etc., etc., etc. Finalement, je vous remercie de nous les proposer et de nous les faire passer. Peut-être que c'était bien aussi de les avoir avant le conseil municipal pour pouvoir émettre un avis et se prononcer. Alors, je sais que vous avez fait une commission et je vous engage peut-être comme vos collègues maintenant à faire des efforts pour essayer de les mettre en dehors des œuvres ouvrables en tout cas et pour éviter d'arbiter. Et ça serait un petit peu chez vos collègues, ça serait sympa parce que pour participer aux commissions, c'est plus facile. En tout cas, si vous avez des documents qui nous permettent de nous exprimer sur un sujet, faites-le avant finalement. Parce qu'après. Ils vous ont été présentés à la commission de travaux. Et donc, moi, j'ai répondu que je n'étais pas présent à cette commission de travaux par mail et je demandais qu'il me soit transmise les pièces qui me permettraient d'émettre un avis. Et à ce jour, je n'ai rien reçu. Parce que je ne vous ai rien nommé. Voilà. Donc, Madame le maire, vous prenez acte de... Oui, monsieur. Merci. D'autres questions? Oui, c'est entre moi, si vous permettez. En fait, nous revenons à cette déclaration. Je crois qu'elle aurait mérité d'être plus fouillée au niveau des explications, tout du moins au niveau du plan de financement. Vous l'avez bien vu, remarquer, M. Pesse a fait des observations qui vont dans le même sens que le mien. Et je crois qu'il aurait fallu faire une délibération mieux décortiquer, qu'on puisse mieux comprendre ce dont il s'agissait pour chaque poste et chaque opération financée, de quelle manière. Pour autant, on votera pour, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Parce que ça va dans le sens de l'intérêt de la commune. Tout à fait, mais on les a présentés en commission de travaux. Ça a été des reprises qui ont été faites. On a tous des emplois du temps chargés, on a tous des responsabilités, et on essaie de faire au mieux. Et... D'autres questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 15, aménagement de l'avenue de l'Est. Demande de subvention, Monsieur Salmon. Dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville de Golfe-Juan, qui a vu se réaliser le réaménagement de l'avenue de la Gare et de l'avenue du Midi, la municipalité souhaite poursuivre cette opération aux fins d'harmonisation avec la mise en valeur de l'avenue de l'Est. En effet, cette avenue très endommagée lors des dernières inondations constitue une voie passante dans l'embellissement, permettra de fluidifier les cheminements marchands du centre de Golfe-Juan en proposant un cadre agréable et donc incitateur de fréquentation pour les nombreux professionnels installés. Ce projet se situe entre l'avenue Séboul, l'avenue de la Liberté et englobe l'avenue de Verdun afin d'assurer la jonction avec l'aménagement des avenues du Midi. Il est destiné à atteindre plusieurs objectifs, réhabilitation des réseaux usés et des réseaux pluviales en recalibrage, amélioration du cadre de vie avec réhabilitation des trottoirs, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite avec création de stationnement PMR, élargissement des trottoirs et végétalisation de la voie. Le lancement de cette opération est prévu pour le deuxième semestre 2016 pour un achèvement des travaux au cours du premier trimestre 2017. Le coût de l'opération est estimé à 1 100 000 euros qui peut être subventionné au titre de la réserve volontaire de M. le député Jean-Yves Nettie. Et donc demander au conseil municipal d'approuver le lancement du réaménagement de l'avenue de l'Est, d'autoriser Madame le maire à engager les dépenses nécessaires, les crédits étant prévus au budget 2016, de solliciter des subventions auprès de la région, du département, de la CASA, mais également de l'État dans le cadre du fonds soutien à l'investissement et au titre de la réserve parlementaire de M. le député Jean-Léon. Des questions? Oui, une seule observation, oui. Si vous permettez. Simplement sur la participation financière de la réserve parlementaire du député maire Jean-Léon Petit. Est-ce que c'est un engagement ferme de lui ou c'est une hypothèse? Non, c'est hypothétique. Hein.
Pardon ? Là, c'est dans la phrase, la tour de phrase, c'est hypothétique. Non, il y a une participation, simplement partiellement. C'est pas en hauteur de. C'est pas hypothétique, c'est un engagement. C'est un engagement. Non, c'est Jean Leonetti qui nous a demandé de cibler un ouvrage ou des travaux. On aurait pu prendre la phrase d'une autre manière, la tour de phrase, parce qu'il y a une autre matière. Puisque c'est ferme et définitive et que M. Leonetti s'engage fermement pour la participation, on aurait pu dire des choses autrement. Pour anticiper vos questions, le budget voté cette année en 2016 est de 400 000 euros et le solde de 700 000 euros sera attribué en 2017. Les travaux ont été présentés encore en commission, les plans sont à votre disposition, nous sommes encore en train d'affiner une dernière fois les travaux prévus parce que la demande des commerçants a été de garder un peu plus de place de stationnement, donc nous sommes en train de redéfinir une nouvelle fois le projet, mais dans son épure générale, le projet ne changera pas. On a donc les trois points qui ont été cités dans la présentation. Le recalibrage, et je pense que c'est très important, de tous les réseaux, tant pluviaux que les réseaux d'assainissement dans l'avenue de l'Est, qui prend bien sûr les eaux d'écoulement de toute la colline. La requalification de l'espace et l'amélioration de l'espace, et sa végétalisation. Donc on essaye de créer des trottoirs plus larges pour avoir des accès handicapés, on essaye d'implanter des jardinières importantes de végétalisation, et on essaye, c'est là où on maintient la quadrature du cercle, de maintenir quand même un certain nombre de places de stationnement pour que les commerçants de la rue Nuglès ne soient pas lésés. D'autres questions ? Oui ? Je voudrais revenir sur les places handicapées. Et profiter de l'occasion, et j'aurais dû faire des libérations précédentes, mais vu le peu d'informations que finalement j'avais, est-ce qu'il est prévu quelque chose dans les budgets pour Lino et Léna, en termes de places de stationnement d'handicapés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu cette année ? Oui, très certainement. C'est-à-dire là, dans un premier temps, il y a la construction de Lino et Léna. Dans un deuxième temps, on va travailler le pourtour. Voilà, donc là, automatiquement, les stationnements, la végétalisation. Oui, parce que les stations handicapées, enfin, posent un petit problème à l'Iloéna, puisque finalement, vous voulez faire un bâtiment public et il n'y a rien qui est prévu. Enfin, ça, on l'a déjà relevé. Et là, je ne vois rien qui avance à ce sujet-là. Vous allez voir. Comme tous les chantiers, les bâtiments d'architecture, le bâtiment s'arrête à un mètre des façades, vous savez bien, donc il nous revient après de travailler sur l'environnement immédiat du bâtiment, ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Et on en est où ? Eh bien, on travaille. Se fait présenter des projets. Non, mais c'est pas un conseil municipal, finalement, où il y a trop de sujets, on essaye d'être raisonnable. Enfin, se faire traiter de la sorte pour avoir ta joie, c'est juste lamentable. Et que vous cautionnez ce genre d'agissement, et notamment le comportement, c'est juste inadmissible. Très sincèrement, je vous demande sur la commission de travaux, j'ai demandé quelques pièces supplémentaires, on ne les a pas, et ouvertement, votre adjoint me dit non, je ne vous les ai pas, je vous les ai pas envoyés, j'ai décidé de ne pas vous les envoyer, vous cautionnez ça, je trouve ça lamentable. Vous avez décidé de ne pas les envoyer. Monsieur Pes, je vous ai dit que je ne vous ai pas envoyé parce que la commission s'est tenue la semaine dernière et qu'il faut un certain délai pour organiser l'envoi des documents. Je ne vous ai jamais dit que volontairement. Ah, vous faites une commission sans documents ? Il y a un truc que je ne comprends pas bien dans l'histoire. Non, mais bon, il faut arrêter. Monsieur Pes, ça, vous fonctionnez avec le fonctionnement qui vous appartient. Écoutez, continuez comme ça. C'est très bien. Je vous dis qu'on est en train de travailler sur l'environnement du bâtiment Elena. Je n'ai pas de dossier à vous présenter pour l'instant, donc je pense que ça ne sert à rien de passer du temps pour dire que oui, la demande que vous formulez est prise en compte, qu'il y aura des stationnements PMR. Ben, c'est peut-être important quand même pour un bâtiment qui n'en prévoit pas, ou qui a eu un permis de construire de la ville, qui a autorisé un bâtiment sans place handicap, etc. C'est peut-être important aujourd'hui, au moment où le bâtiment va être ouvert, à un moment donné, c'est peut-être important de s'y intéresser, et c'est peut-être finalement louable que des gens se connaissent. Le bâtiment répond aux réglementations d'urbanisme. Ça, on verra. Alors, une petite info. Effectivement, le stationnement nous avait préoccupé parce que vous savez qu'on avait voulu déplacer ce bâtiment qui ne nous plaisait pas trop à l'époque. Et là, il est dans une zone centre-ville avec pas d'obligation de bâtiment.
puisque tout le centre-ville et tout le damier de stationnement. Donc, mais alors effectivement, après, autour, il n'est pas interdit de créer des stationnements. Et effectivement, il y a eu une réflexion, puisqu'un bâtiment public doit effectivement avoir des PMR, en fait, des stationnements pour handicapés. Ça, par contre, c'est une obligation. Le stationnement, que ce ne soit pas une obligation en centre-ville pour les logements sociaux, bon, même si on peut trouver ça rentable, finalement, on peut s'y rapprocher. Après, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'à l'époque, il dit le bâtiment ne vous plaisait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous plaît. Parce que tu as dit, il nous plaît toujours. Ah, je l'ai dit assez fort, on a même demandé à l'architecte de nous refaire une pro en la payant une mission complémentaire et elle n'a pas voulu. Elle s'appelle Madame Nivagioni, l'architecte. Pas d'attaque personnelle. Non, mais je suis inquiet parce que finalement. Soyez pas inquiet, monsieur, vous savez très bien. Je me suis souvent intéressé à ce bâtiment et finalement, on était sur un bâtiment qui, au pignon, était à la même hauteur que la maison qui était devant, puisque c'était dans l'avignement. Là, finalement, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Et, bon, ça, on verra plus tard. Mais moi, je m'intéressais là au PMR et donc c'est un sujet que vous. Vous inquiétez pas. Très, très attaché à la protection des handicapés et de toutes les personnes à mobilité réduite. D'autres questions? Oui. Je peux prendre la parole quelques instants pour rafraîchir peut-être la mémoire de certains qui se posent des questions. Avenue de l'Est, autorisation de programme, délibération au Conseil du 18 mars, 400 000 euros en 2016 et 700 000 euros en 2017. Autorisation de programme également pour les travaux d'accessibilité, passés en délibération le 29 septembre 2015, 470 000 euros pour 2016 et 440 000 euros pour 2017. Voilà. En espérant avoir répondu à vos questions. Dites quelque chose, hein, de gentil. Non, mais je trouve que des choses gentilles, finalement. C'est vous qui me dites beaucoup de choses méchantes, mais c'est pas grave, on est à passé municipal. Je vous ai encore rien dit. On est à passé municipal et je sais que vous avez un rôle à jouer. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ces chiffres, on les connaissait, juste on voulait quelques précisions. D'autres questions? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 16, travaux de mise en accessibilité de la voirie, demande de subvention, monsieur Samir. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 impose aux communes de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l'ensemble des bâtiments communaux ainsi que la voirie et les espaces publics. La mise en œuvre de l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, commencée depuis plusieurs années sur le territoire communal, est reprise dans le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics approuvé en conseil municipal dans sa séance du 12 décembre 2014, va se poursuivre en 2016. Dans le cadre de ce document, consistera essentiellement dans la reprise et l'élargissement des trottoirs, la réalisation de passages surbaissés pour faciliter la traversée des chaussées, l'aménagement de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et éventuellement une mise aux normes handicapées d'arrêt de bus si le projet CASA dans le cadre du plan de développement de déplacement urbain. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la poursuite des travaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, d'autoriser Madame le maire à engager les dépenses nécessaires, soit une somme de 50 000 euros étant prévue au budget 2016, et de solliciter des subventions auprès de la région et département de la CASA, mais également de l'État dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement créé pour l'année 2016 par la loi de finances dans le but de relancer l'investissement public local. Je vous remercie. Des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 17, pôle céramique de Valoris, convention d'entente avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. La commune de Valoris Golfe-Juan et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis veulent s'associer dans une démarche commune de préservation de la poterie Madoura et de développement d'un projet de pôle économique et culturel autour de la céramique et des arts du feu sur le secteur penchant Madoura. En effet, par délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2006, la CASA a déclaré d'intérêt communautaire la création d'un site et d'exposition sur la commune de Valoris, prenant en compte l'œuvre de Picasso et en rapport avec le thème de la céramique. Par délibération du 26 février 2007, le Conseil communautaire a approuvé le principe de la réalisation de cet équipement et autorisé le lancement des études préalables à sa mise en œuvre.
confirmant celle d'intérêt communautaire par délibération du bureau communautaire du 7 novembre 2011, puis du 26 janvier 2015, la CASA a autorisé l'acquisition du lieu-dit Garry-Malmoutoura et des parcelles adjacentes cadastrées BY1, BY2, BY164 et BY165 en vue de concrétiser un projet de pôle céramique sur les territoires de la CASA et de Valoris. À la suite de la première étude de faisabilité menée en 2008, est apparue la nécessité d'élargir la réflexion à un projet global autour de la céramique et des arts du feu, intégrant des fonctionnalités économiques, culturelles et éducatives, offrant ainsi un concept novateur au rayonnement plus large et servant d'accélérateur pour amorcer une redynamisation de l'attractivité territoriale. L'ancienne poterie de Valoris, Garry-Malmoutoura, qui a accueilli des artistes renommés, dont Picasso, Chagall, Matisse, Bronner, ainsi que l'école municipale de céramique, forme un îlot urbain situé en centre-ville de Valoris, quasi exclusivement dédié à la céramique. Ce site est ainsi reconnu comme un lieu le plus approprié pour développer un tel projet autour d'objectifs communs. Restaurer le patrimoine communautaire dit Garry-Malmoutoura dans le cadre d'un projet d'ensemble autour de l'œuvre de Picasso et de la céramique du territoire de Valoris. Poursuivre le développement au sein du territoire de la CASA des parcours de découverte et de promotion des métiers d'art et d'artisanat local. Permettre la revalorisation urbaine, sociale et économique du centre-ville de Valoris par le biais d'un équipement à fort rayonnement autour du design et de la céramique. Développer un pôle d'excellence autour du design et de la céramique par le biais d'un équipement polyvalent regroupant les fonctions économiques, éducatives et culturelles. Afin de représenter un réel centre d'attraction et de dynamisme économique et culturel, le projet envisagé pour ce nouveau pôle céramique sera composé de 4 fonctions principales dont il conviendra de définir les dimensions, modalités de fonctionnement et d'articulation. Fonction culturelle comprenant un espace muséal, atelier Picasso et un espace d'exposition permanent et temporaire et une résidence d'artistes et de chercheurs. Fonction éducative comprenant une école de céramique et un centre de documentation, recherche et de développement. Fonction économique comprenant un espace productif de démonstration, des ateliers reliés d'artistes et des espaces commerciaux et touristiques. Fonction territoriale, c'est-à-dire un projet fonctionnel de façon dynamique, avec son environnement immédiat, le centre-ville et le territoire communautaire, favorisant le rayonnement international. Le projet de pôle céramique à Valoris, par souci de cohérence et de rayonnement, doit s'étendre sur un périmètre de réflexion et d'assises foncières plus large que celui défini initialement et être mené à l'échelle de l'îlot urbain. En application des articles L5221-1 et L5221-2, du Code général des collectivités territoriales CGCT, la CASA et la commune de Valoris, propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre délimité par les voies BD des boulevards des Deux Vallons, rue Massier, rue Gervineau et avenue du Stade, souhaitent mutualiser leurs moyens et établir une entente visant à déterminer leurs modalités d'intervention respectives dans le cadre des études pré-opérationnelles ou de faisabilité afin de concilier les intérêts communs dans un souci d'efficacité et de performance. À cet effet, une entente composée de 3 membres représentant chaque collectivité territoriale élue pour la commune par le conseil municipal. Les modalités de cette entente sont définies par la convention jointe en annexe approuvée par la délibération du conseil communautaire du 11 avril 2016. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création d'une entente entre la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et la commune de Valoris, d'approuver la convention d'entente dont le projet est joint en annexe, de m'autoriser à signer ladite convention, de désigner 3 représentants pour être membre de la commission spéciale pour participer à la conférence de l'entente. Le conseil municipal vote sur cette délibération puis désigne ses représentants. Le vote a lieu à bulletin secret, sauf si le conseil est favorable à un vote à main levée. Qui s'oppose au vote à main levée ? Donc, nous allons commencer par le vote pour approuver la convention d'entente, la création d'une entente entre la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et la commune de Valoris, et de signer la convention. Qui est contre cette première partie du contrat ? Oui, pardon. Est-ce qu'on peut peut-être débattre de la délibération avant de voter ou... Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est en 2 parties. Il y a la première partie pour la délibération à proprement parler et la deuxième partie pour les membres de la commission spéciale.
Mais, je vous écoute. En fait, j'ai une question simple, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce projet Madoura ? Tout. Parce que, ça c'est une réponse simple aussi, parce qu'on a, lu par, par votre presse qu'il y avait, donc c'était un projet de 30 millions d'euros, qui avait une préétude qui était... C'est très excessif, je pense que c'est un document qui a été fourni à la presse, qui n'est pas faux, hein. Loin de là, c'est un document de travail, un pré-document, un pré-projet, de manière à pouvoir solliciter un bureau d'études. Donc la CASA va solliciter un bureau d'études et c'est ce qui a... ça a été la base au cahier des charges pour demander l'étude sur ces propositions-là. Donc là, si vous voulez, il y a une liste de, oui, de projets, de micro-projets prévus dans un grand projet. Ces micro-projets, est-ce qu'on sait déjà où ils vont être implantés ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on sait quel volume ils vont avoir ? Est-ce que le volume commercial va être très important ? Est-ce qu'il va être réduit par rapport à un volet, par exemple, éducatif, une école d'art qui, elle, va être très importante à voir ? C'est ces questions que j'aimerais... C'est-à-dire, nous, on a posé les demandes. Ensuite, on va confier le projet, l'étude du projet, à un bureau d'études spécialisé. Il est, en fait, en trois parties. Première partie, qui est vraiment le fondement même du projet, c'est la galerie Madoura. Donc la galerie Madoura, il est question de la rénover. Hein, vous avez vu, le bâtiment est dans un état difficile. Donc ça, c'est la première partie. On va évaluer l'importance des travaux, les travaux à mener, comment restructurer la galerie Madoura de manière à ce qu'elle s'intègre à l'ensemble. L'ensemble, c'est à côté le terrain d'Imoro, qui a été acheté par la CASA, où là, il va y avoir effectivement galerie, centre de recherche, probablement résidence d'artistes, toutes sortes de choses. Et dans Madoura, qu'est-ce qu'il y aura alors ? Madoura, c'est certainement probablement des résidences d'artistes, mais tout dépend de ce qui va pouvoir être gardé du bâtiment, parce qu'il y a une partie historique, bien évidemment, et il y a une partie qui a été rajoutée, un petit peu plus récente, et qui s'effondre complètement. Donc les techniciens vont d'abord évaluer l'état, bon, ça a été plus ou moins fait par la CASA et plus que moins, et savoir s'il est opportun de garder certaines parties plus modernes qui n'ont pas d'intérêt patrimonial ou historique. Voilà. L'idée, c'est vraiment de restructurer toute la partie patrimoniale et historique, éventuellement, si c'est possible, faire des résidences d'artistes, si c'est possible, garder la galerie en l'état, parce que là, c'est un élément qui va être dédié vraiment à Picasso. L'atelier Picasso va être aussi fortement rénové. Bon, il est dans un état difficile et même dangereux, puisqu'il est condamné aujourd'hui en visite, hein, pas condamné définitivement. Donc, ça va être les experts qui vont dire. Là, on a besoin d'une expertise très pointue pour dire quelles sont les difficultés du bâtiment. Vous savez qu'il est posé à même le sol, donc il souffre terriblement de ne pas avoir de fondation. Et il souffre aussi terriblement parce que le terrain est en train de sécher. Alors certainement parce qu'il y a des constructions riveraines qui ont fait que les sources ont probablement été détournées. Donc on se rend compte là que le bâtiment travaille très 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 vite depuis que certaines constructions ont été réalisées. Donc il faut aller vite, il faut savoir exactement, il faut avoir une expertise très précise. Donc, évidemment, les experts sont déjà sur place pour éviter que ça se détériore. Et ensuite, on va poser le projet du terrain Moreau et de Grandjean. Donc, Grandjean, à terme, va être restructuré en école spécifiquement céramique, complètement. Donc, ça va être un pôle céramique, mais culturel et économique. Il est possible, parce que la région, c'est ce que la région nous demande, qui va venir en appui, de faire un centre d'apprentissage. Donc pour nous, c'est qualifiant dans la mesure où on sera en lien avec le lycée Léonard de Vinci. Si vous voulez, on est en train de créer une boucle et un lien qualifiant pour l'espace, de manière à ce qu'il soit complètement intégré dans une filière de formation céramique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il va y avoir des chercheurs, il va y avoir des designers. Les designers se positionnent déjà sur Grandjean. Ils sont déjà chaque année sur Grandjean, donc ça fonctionne très très bien. Il suffit d'avoir un lieu complètement dédié, puisque l'école Grandjean, comme vous savez, aujourd'hui, est multi et polyvalente, puisque nous avons l'école de musique et l'école de danse qui va être déplacée.
Et là, ça sera complètement dédié à la céramique, avec une possibilité de visualiser, un petit peu à la manière de ce qui se fait à Biot pour le verre, visualiser la création de à Grandjean, ça. À Grandjean. Tout, ça sera vraiment un pôle complètement dédié, à la fois céramique, culturelle, économique, avec à terme des créations d'emplois. Parce que l'idée, c'est quand même celle-ci, c'est de générer quand même des formations et des créations d'emplois. Il y aura probablement quelque chose qui est de l'ordre de l'attractivité pour les touristes. Alors bon, ça, c'est pas encore défini, peut-être un petit lieu de lecture, d'échange, voilà. Alors, ce sera un lieu ouvert. D'accord. Si j'ai bien compris, donc Madoura, rénovation de le bâtiment patrimonial le plus ancien. Oui, on garde l'atelier Picasso, oui. Sûrement un musée Picasso ou quelque chose qui tourne autour de Picasso dans Madoura. Le directeur actuel ne souhaite pas trop avoir un musée, il souhaite une galerie qui vive avec des expositions. Donc, mais ça peut être tout à fait complémentaire avec le nouveau pôle où la DRAC souhaite que la Biennale se positionne sur ce lieu-là. D'accord. Si vous voulez, il y a tous les intervenants du territoire national qui sont intervenus, chacun disant un petit peu son souhait, avec les conservateurs des musées nationaux qui disent un petit peu ce qui est souhaitable d'avoir. Voilà. Tout ça encadrant l'atelier Picasso qui est quand même le fer de lance de ce projet. Et donc sur Grandjean, on garde que la céramique, on déplace toutes les activités qui ont pour aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il y a une modification du bâtiment de Grandjean qui est prévue? Oui, probablement, oui, parce que là, il faut prévoir, parce qu'il faut que ce lieu vive, hein. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ce soit un lieu très actif. Il est probable qu'on va essayer d'ouvrir pour voir si on peut amener des cars, etc. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Voilà. Et est-ce qu'on va gagner en hauteur aussi dans Grandjean ou pas forcément? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, on lance le principe de la convention parce que c'est très important puisque nous intégrons Grandjean. On a considéré qu'il était inopportun de mettre Grandjean à part. Donc ça va être un pôle qui va être structuré et qui va être complémentaire. Les actions sont complémentaires les unes par rapport aux autres. C'est très bien. Il y aura une circulation d'artistes, une circulation, si vous voulez, à la manière d'un Villarson, mais en différent, et céramique, et quand même ouvert aux touristes, parce qu'il est très important que le touriste puisse voir la fabrication de la terre jusqu'au produit fini. Et j'ai pas compris du coup ce qu'il y aurait sur le terrain non. Est-ce que c'est défini Non, l'idée est posée. C'est pour ça qu'on pose plusieurs propositions. On va voir ce qui va revenir en matière de faisabilité technique, coût, hein, parce que le 30 millions est un peu excessif quand même. Là, on en est tous convenus. Donc, si vous voulez, il faut savoir... Ça serait vers combien, du coup, vous imaginez À mon avis, bien 10 millions de moins. Voilà. Donc, ça doit être un lieu d'excellence, où vraiment se croise tout le monde, c'est-à-dire de l'apprenti jusqu'au chercheur, de l'artiste le plus confirmé jusqu'à l'artiste débutant. Voilà, on croit beaucoup, enfin, en ce qui me concerne, je crois beaucoup à cette mixité des expériences où chacun regarde l'autre et où il y a vraiment une transmission. Ce qui nous manque aujourd'hui énormément, c'est la transmission. Donc nous avons la chance d'avoir encore tous nos maîtres céramiques et il y a urgence à faire. Alors, vraiment, on va dire, le pôle qui me pose le plus de questions, c'est le pôle économique qui est mis en avant, parce qu'on a déjà beaucoup de céramique sur la commune, il y a déjà une économie de la céramique, et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que la CASA entend par là, par un pôle céramique. Est-ce qu'on va créer je le fais à grands traits, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, est-ce qu'on crée une cité marchande céramique là-bas et qu'on va déplacer Clémenceau? Est-ce que c'est un terme juste pour dire on pense à l'économie et que ça va irriguer tout le territoire, ou est-ce qu'il y a vraiment un projet touristique, vente, activité commerciale, et quelle place il va prendre dans ce projet-là? Est-ce qu'on va consacrer tout le terrain Moreau à ça, ce qui serait énorme par rapport au reste? Non, on a besoin de lieux pour les chercheurs, on a besoin des lieux pour la documentation. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de lieu dédié à la documentation. Bon, il y a le musée qui a des archives en pagaille, mais donc c'est pas tout à fait la compétence. Donc là, on va mettre tout ce qui est documentation, archives, recherche pour ceux qui viennent du monde entier. Nous recevons des Japonais, des Australiens, etc. Et on a beaucoup de mal à fournir. Donc il faut que toutes les personnes, ici ou pas, qui viennent, puissent se documenter à tout niveau. Alors la phase finale, effectivement, c'est, mais là on n'en est pas bien sûr, c'est qu'il y ait vente des produits qui sont fabriqués
par les designers, par les artistes, par les chercheurs, et qu'il y ait une possibilité de vente. Ça, c'est important, parce que d'abord, c'est qualifiant pour les artistes, et ensuite, ça fait une forme d'attractivité, parce que les personnes qui verraient fabriquer un objet sans pouvoir l'acheter, il y a une petite frustration. Si vous voulez, on essaie de toucher un éventail complet. L'économie, c'est vraiment en termes de formation, de perfectionnement des artistes de manière à terme pouvoir faire qu'ils puissent s'installer. D'accord, donc la fonction économique, c'est pas forcément un aspect commercial. Non, voilà, c'est pas de la vente. Il y aura de la vente parce c'était que les pas gens clair, souhaitent. Voilà, non. Les gens souhaitent, on le voit bien au musée, la librairie marche de mieux en mieux. On a diversifié nos gammes de livres et ça marche de mieux en mieux. Donc on voit bien que certaines personnes un petit peu plus pointues viennent chercher de la documentation. Donc il faut qu'ils trouvent dans ce lieu des documents céramiques en lien avec ce qu'ils viennent de voir. Voilà. Merci. Oui. Et pour compléter un peu tout ce que vous avez livré comme information, vous avez livré en vrac, mais peu importe, on est qu'au début, bien entendu, d'un vaste projet. Et on a bien pris note, bien entendu, qu'on met en place une commission ad hoc composée de 3 membres. D'ailleurs, elle est faire passer au conseil communautaire cette délibération. Mais moi, je pense qu'il serait souhaitable qu'on fasse une commission élargie, c'est-à-dire qu'elle ne vienne pas suppléer à la commission officielle commune CASA, mais qu'elle vienne être une porteur d'idées, parce que bien entendu, vous l'avez dit, il y a un tas de domaines qui sont concernés, que ce soit économique, culturel, scolaire, éducatif, etc. Et moi, je crois qu'on est suffisamment nombreux, majorité comme opposition, pour être porteur d'idées au sein d'une commission, qui serait une commission pas extra-municipale, parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens de l'extérieur, qui serait une commission off, qui viendrait apporter un complément d'idées au projet. Voilà, c'est notre... Pour vous dire... Je ne dis pas qu'on la mette en place maintenant, mais à un moment donné, je crois qu'il faut que les élus de cette majorité comme l'opposition puissent apporter leur pierre à l'édifice. Tout à fait. Si vous voulez, les comités de pilotage sont déjà en place depuis un an, hein, avec la CASA, où sont associés les éléments divers et variés, c'est-à-dire toutes les compétences possibles et imaginables. Donc les services d'engin ont été associés, les services techniques bien évidemment, et on a fait un travail de repérage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait lancer ou pas, quelles étaient la demande des céramistes ou pas, etc. Là maintenant il y a 3 comités de pilotage, c'est-à-dire un comité scientifique avec tout ce qui compte de compétences sur le territoire, à la fois départemental et aussi territoire national, puisque va venir le conservateur de Picasso, etc. On associe le plus largement. Après, il y a un comité technique, où là, qui réunit tout ce qui compte de techniciens, dont mon service, bien évidemment. Et après, nous avons un comité scientifique, où là, vraiment, il y a des recherches pour savoir comment on va travailler, comment on va définir ce qu'on va y mettre, véritablement. Parce que nous allons nous servir des compétences de tous les conservateurs qui comptent déjà dans le département mais aussi national, puisque Picasso quand même, et savoir comment on fait fonctionner un lieu comme ça de manière à le rendre vivant. Il n'est pas question, et on était tous d'accord là-dessus, de faire un musée supplémentaire. Il faut qu'il vive, il faut accrocher véritablement la vie de la céramique à ce lieu. Donc ça, c'est attendu, c'est attendu, ce côté-là. Et après, une les fois... Les élus ont quelque chose à apporter dans ce projet. Je crois qu'il serait, à un moment donné, dans l'avancement du projet, il serait utile qu'on puisse être entendu là-dessus. Tout à fait, oui. Non, mais ça paraît... Une condition que vous mettriez en place, qui serait une condition d'offre. Simplement, comme le disait justement M. Falcou, la difficulté, comme vous l'avez remarqué, c'est un peu en vrac. Parce que si vous voulez, on a fait toutes sortes de propositions, mais on n'a pas véritablement arrêté de projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre un petit peu plus de ci que de là? Bon, l'école céramique, c'est fixé. C'est une chose. En plus, c'est renforcé par la demande de la région qui demande un centre d'apprentissage. Donc là, c'est une affaire vraiment actée. C'est plutôt le reste, savoir comment on va fonctionner, où on va mettre les résidences d'artistes, la documentation, les salles d'exposition, parce que ça, c'est une forte demande
de la DRAC qui veut que véritablement ce soit un écrin pour la biennale, parce que la DRAC est très très attachée à la biennale. Si vous voulez, donc nous on a posé tout ça comme des fondamentaux de réflexion, et après c'est le cabinet d'études qui va nous dire la faisabilité, la surface, le lieu. Bon, Manoir c'est intouchable, donc voilà, mais c'est les deux autres lieux qui sont à définir. En fait, pour en terminer, pour résumer ce que j'ai dit, au lieu d'être des spectateurs, on aimerait bien être un peu des acteurs du projet. Voilà. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas vraiment de soucis avec le pôle céramique, parce qu'évidemment, on en est aux prémices, et on peut poser toutes les idées sur la table, puis après, on peut se canaliser comme un entonnoir. Bon. Mais on est à échéance de combien, globalement? 5 ans, 10 ans, 10 ans à peu près? C'est un projet à terme qui... Bon, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai Moi, j'ai dit 2023-2024, donc c'est 8 ans. Non, ça sera avant. 7-8 ans. Ça sera avant. Les services ont vu grand, c'est bien, c'est très ambitieux, ont vu long et ont vu coûteux. Donc, on a tous dit que c'était long, coûteux et grand. Mais bon, je pense que ça sera quand même long, et c'est 5 ans au minimum. Je ne vois pas comment t'es tout part. Oui, et si on arrive à 4 ans, c'est possible. Ça serait possible autrement. Oui. Et finalement, la question que j'avais un petit peu posée, c'est... Bon, c'est très bien, franchement. Mais avant, on fait quoi pour redynamiser un peu le centre-ville, pour redynamiser un petit peu l'activité commerciale? Bien, on va travailler... Alors, pourquoi je vous pose cette question, je vais vous le dire, parce que finalement, j'ai été relativement choqué par une de vos réponses, et elle était publique, donc je peux en parler. On parlait d'un biennal. Et finalement, la biennale, vous avez relevé pendant un nombre d'années au conseil municipal comme nous, mais finalement, elle avait peu ou pas de retombées économiques parce que la communication était mal faite, etc., etc. Et vous avez été tapé sur la biennale organisée par la précédente municipalité fortement. Et donc, moi, je m'inquiétais, comme vous, il y a quelques jours, du même sujet, et demandais quelle est la communication qui avait été faite. Alors, je parle du festival off, mais bon, maintenant, c'est l'heure de l'affaire. On sait très bien que ça va être, malheureusement, ça sera peut-être pendant 2 ans. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est comment on allait relier cette biennale qui est intéressante, il n'y a pas de problème, et qui a été retombée, finalement, culturelle, importante, etc. Comment on allait recentrer sur l'activité commerciale, artisanale, etc., de la ville. Et alors, votre réponse, elle m'a surpris. Vous m'avez dit, ah non, non, mais les années de biennale, c'est extraordinaire. Vous ne savez pas comment les commerçants travaillent. Ils n'annoncent pas la chiffre, mais c'est la folie. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce qui a changé? En 2014, la biennale, c'était pas vous, puisqu'elle avait été préparée aussi par la municipalité. Le plan com avait été fait. Et donc, c'est un miracle. Et là, je me dis, il y a le miracle de l'amour. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, j'ai pas compris. Et je me dis si alors... Vous connaissez un petit peu la ville, et un petit peu moi aussi, vous discutez avec des commerçants, moi aussi, des artisans, et peut-être pas les mêmes, mais en tous les cas, j'ai pas le même retour que vous. Donc si vous dites aujourd'hui c'est formidable, il suffit de la biennale une fois pour les 2 ans pour que l'activité de la commune soit extraordinaire, je m'inquiète un tout petit peu. Et c'est la question que je voulais poser, qu'est-ce qu'on fait finalement avant maintenant? Donc vous êtes toujours dans l'excès, toujours excessif, le besoin de... Voilà, c'est très bien. Sauf que j'ai jamais tapé sur la biennale, j'ai tapé sur le coût de la biennale. Nous sommes passés de 500 000 euros à 350 000 euros. Donc j'ai tenu vraiment mon engagement. Taper sur la biennale, ce n'est pas dans mon propos. La biennale est belle, toujours, elle a toujours été belle. Les productions étaient très originales et montraient un avant-gardisme très intéressant. Donc je n'ai jamais tapé sur la biennale. C'était le coût de la biennale qui je trouvais très excessif. Et j'ai eu les moyens, effectivement, de réduire le coût de la biennale en conservant la qualité. Les retours sur le commerce, je n'ai jamais attaqué. Ça, c'était l'autre opposition, c'était pas moi. Je n'ai jamais attaqué sur les retombées sur les commerçants. Les commerçants, naturellement, vous disent, s'ils veulent vous le dire, et un commerçant n'a pas toujours envie de confier ce genre de choses un peu discrètes, pour ne pas dire secrètes. Vous connaissez la jalousie des uns vis-à-vis des autres, donc il est souhaitable, pour vivre heureux, de vivre caché.
Donc, chacun fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Toujours est-il que j'ai fait mes petits sondages. Et effectivement, beaucoup de commerçants m'ont dit, on voit la différence entre les années biennales et les années pas biennales. En ce qui concerne les commerces céramiques, hein, j'entends. Hein. Bon, après, pour l'alimentaire, ça, je ne sais pas. Mais pour les commerces céramiques, c'est vrai qu'il y a des retombées. C'est une évidence. Je pense que les gens ayant vu des choses de grande qualité ont envie de repartir avec une pièce. Donc c'est qualifiant, c'est sûr. Et tous les artistes qui sont honnêtes vous le diront. Hein. C'est une évidence parce que ça crée une dynamique particulière. Vous avez des collectionneurs, vous avez des gens du monde entier qui viennent voir. Et la DRAC on a apporté la preuve dans la mesure où, si nous sommes suivis sur toutes nos expositions et tous nos engagements culturels, c'est par rapport à la Biennale. La Biennale qualifie naturellement, la valorise comme une ville hautement céramique. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la publicité. Donc effectivement, nous avons une, comme vous l'avez vu, un cabinet pub, etc., qui fait une publicité professionnelle. Voilà. Donc vous avez tous les galeristes qui viennent, tous les collectionneurs du monde entier qui viennent. Bon, c'est pas inintéressant pour valoriser. Je pense qu'il faut garder cette accroche positive de manière à continuer. Le projet Manoura va venir en appui. Nous avons besoin maintenant d'un outil dynamique. Voilà. C'est-à-dire un outil où véritablement peuvent se rassembler tous les gens qui veulent voir du début jusqu'à la fin comment on élabore une pièce, comment on finalise un produit, comment on fait de la recherche. Je peux vous aider, pour ceux qui connaissent bien Vengeant, quand on voit travailler les jeunes designers, c'est passionnant. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait intéressant de voir cette démarche de créativité autour de la terre. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va accrocher. On a une spécificité qui est rare. Il faut la cultiver, mais le problème, c'est que le monde a changé, la société a changé, il faut la renforcer. Voilà. Et naturellement, ça va renforcer nos artistes. Et ils le savent, hein, puisqu'ils attendent ce projet. Donc si vous voulez, je crois que c'est interactif. Voilà, on ne peut pas dire on fait quelque chose qui est sur le marché. On fait démarrer un ensemble de choses. Voilà. Et on va maintenant se tourner vers la requalification du centre-ville, avec l'amélioration en fonction de nos budgets, de manière à avoir une attractivité visuelle. Ce qui nous manque aujourd'hui dans l'avenue Clémenceau, c'est quand même ça. C'est l'attractivité visuelle. Donc je crois qu'il faut repenser tout l'environnement de l'avenue Clémenceau. C'est très, très important. Oui ? Très rapidement, excusez-moi, j'ai oublié un point. Lorsque vous êtes arrivé sur le terrain Moreau, il était prévu par la CASA de faire une médiathèque. Finalement, ce projet a été reporté. Est-ce qu'il est envisageable que dans le... Enfin, reporté à journée. Est-ce qu'il est envisageable que dans ce projet Madoura, on puisse intégrer une médiathèque sur le terrain Moreau avec un centre de documentation, etc. pour avoir un pôle céramique qui soit justement ouvert sur la vie quotidienne, la population, etc. et qu'on ait une médiathèque à Valoris-Golfe-Juan moderne et qui puisse accueillir bien plus de monde que la bibliothèque actuellement. Le problème de la médiathèque, si on prend le projet médiathèque et ça a été posé comme ça, quand je suis arrivée, il est déposé, ce projet médiathèque, pour rentabiliser une médiathèque qui a un coût astronomique et qui ne sera jamais rentable, par définition, il fallait faire au-dessus deux étages de logements sociaux. Voilà. Donc c'est le projet tel qu'il est barré. Donc on m'a donné le choix, médiathèque, logements sociaux, ou pôle céramique. Donc pour moi, il n'y avait pas photo, j'ai pris pôle céramique. Effectivement, la médiathèque est intéressante, bien évidemment, sauf que l'urgence et la priorité des priorités aujourd'hui, c'était un secteur dynamisant pour la céramique, et je n'avais pas d'autre lieu, et pour tout dire, je n'avais pas les... Enfin, nous n'avions pas tous les moyens de lancer un système céramique performant, dynamisant, moderne, avec les moyens de la commune. Je n'oppose pas le Madoura contre la médiathèque. Hein. Je vous demandais si c'était possible d'avoir une médiathèque au sein du projet Madoura. Ça sera un lieu de documentation, mais quand même très spécialisé. On ne pourra pas faire une médiathèque dédiée, parce que dans la mesure où la médiathèque a un fonctionnement très particulier et que tout le fonctionnement est à la charge de la commune, hein, ce n'est pas à la charge de la CASA. C'est encore un autre système. Donc nous, il faut qu'on équilibre les budgets, il faut se projeter sur l'avenir, c'est-à-dire, après, on reste avec le fonctionnement, comment on fait ?
Voilà, il faut que nos budgets soient équilibrés. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir une structure, pas qu'il soit rentable, parce que je ne peux pas dire que la culture, naturellement, soit rentable, mais à minima qu'on puisse quand même essayer d'équilibrer. Voilà. On ne peut pas tout faire, le problème est là. C'est que, tu poseras la question de la médiathèque un petit peu plus tard. Voilà, alors bon, après, si on a un autre leg, ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc, d'autres questions? Non, on va passer procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La désignation. Donc, au nom du groupe majoritaire, je vous propose les candidatures suivantes. Madame Antonini, Madame Roise, Monsieur Ambrogio. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci infiniment pour eux. Donc, nous passons au point 18, librairie municipale tarification. Dans le cadre de la vente de produits à la librairie du musée, il est nécessaire de prévoir la fixation des tarifs pour les ouvrages suivants. Picasso et Panis, édition Hugo et compagnie, 19,95 € l'unité. Dans l'ombre de Picasso, édition Hugo et compagnie, 17 € l'unité. Picasso et moi, édition Somogy, 30 € l'unité. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter cette tarification. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 19, École des Beaux-Arts, tarification stage d'été. L'École municipale des Beaux-Arts céramiques a pour vocation principale l'enseignement céramique. Activité traditionnelle de la ville de Valoris et dans le cadre de ces activités a pour projet la mise en place d'un programme de stage d'été. Pour réaliser ce programme visant la promotion de l'art céramique au travers de stages, proposant différentes techniques céramiques, modelage, tournage, coucou, organisé par la ville à destination des enfants, stages de 9, 10 ou 15 heures hebdo et des adultes, stages de 16, 20, 30 ou 40 heures hebdo, il convient de fixer un tarif horaire de 8 € en tarif unique pour le paiement pour les participants. Ce tarif comprend le matériel et les cuissons. Les stages seront ouverts à partir de 6 inscrits, versement de 30% d'art à la réservation. Il est demandé au conseil municipal de fixer le tarif horaire des stages d'été à 8 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 20, Festival Manga, tarification, Madame Roise. La ville de Valoris-Golfe-Jean organise la 9e édition du Festival Manga et Culture Asiatique, Japan Orea, les 23, 24 et 25 septembre 2016. La manifestation se déroule dans les locaux de l'espace loisir Francis Huger. Le programme comprend un ensemble d'animations, du cinéma, des ateliers origami, calligraphie, des stands de livres, ainsi que des démonstrations d'arts martiaux, du cosplay, de la cuisine japonaise, avec dégustation de produits traditionnels, etc. En complément des animations, des stands proposeront des produits proposés à la vente, livres, objets de culture extrême-orientale, et feront l'objet d'une tarification proposée à 10 € le mètre linéaire. Il est demandé au conseil municipal de fixer un droit d'occupation du domaine public au tarif de 10 € le mètre linéaire et par jour, et qui sera facturé au stand ayant une démarche commerciale. Un droit d'entrée à 2 € par jour pour l'accès aux animations du festival, étant précisé que la gratuité s'appliquera aux enfants jusqu'à 6 ans. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, une question de Monsieur Jean-Noël Falcourt que je vais lui demander de lire parce qu'il y a des propos que je ne peux pas lire dans la mesure où ce sont des propos qui pourraient être considérés comme diffamatoires. Je vous laisse lire, Monsieur Falcourt. Merci. Déjà, je dois dire que c'est agréable de pouvoir lire ces questions orales à la fin plutôt que... Ah bah si vous voulez, chaque fois, moi, je pensais que c'était la règle. Non, c'était pas... C'est vrai que c'est plus logique, quoi. La question assez courte, c'est sur la mauvaise gestion de notre littoral qui a doublement fait l'actualité la semaine passée.
Mediapart a détaillé les activités de mafieux sur le port Camille Rayon et la très mauvaise gestion du port, pas de rapport annuel pendant 25 ans, un conseil d'administration particulier, etc. Nice Matin a révélé par ailleurs que la ville a été coupée d'un PV de grande voirie pour n'avoir pas rempli ses obligations concernant les plages du soleil, sans droit ni titre depuis 13 ans et qui ne verse plus un euro à la ville depuis tout ce temps. Donc j'avais une question assez simple, c'est quelles sont vos intentions concernant l'indispensable normalisation des situations et du port Camille Rayon et des plages du soleil. Alors pour le port Camille Rayon, vous le savez, puisque je vous l'ai déjà dit, nous travaillons sur les dossiers. Donc effectivement, nous découvrons qu'il faut remonter d'abord à 1989, ce qui est compliqué, et il semblerait que nous manquions de documents. Donc nous faisons la demande de documents pour compléter nos informations. En l'occurrence, nous avons fait de nombreuses demandes au port Camille Rayon. Je pense que nous aurons les documents incessamment sous peu. Du coup, bon, on va peut-être pas entrer dans tous les détails pour vous laisser le temps de travailler sereinement sur ces questions délicates. On peut dire sans trahir un secret qu'on s'est rencontré pendant une heure et demie, qu'on a discuté, que la discussion a été ouverte et qu'il y a eu de l'écoute des deux côtés. Nous, c'est un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois, vous amenez beaucoup d'éléments. On a senti de votre part une volonté de vérifier tous ces éléments et de voir quelles étaient les possibilités qu'on pourrait éventuellement traiter ensemble, on aura l'occasion d'en reparler. Mais sans entrer dans les détails, les documents qui vous manquent, est-ce que ce sont des documents... C'est-à-dire, nous, on ne peut pas travailler sur des documents qui sont transmis sur des... quand bien même, hein, il n'y a aucun doute, voilà. Nous avons le devoir de rechercher les originaux qui sont en mairie, voilà. Et c'est là où on s'est rendu compte, où on a mis tous les services compétents sur ces dossiers, et on se rend compte qu'il nous manque, qu'il y a des conventions, qu'il... voilà. Donc on a à cœur de retrouver tous ces documents. On en a fait la demande aux personnes concernées. On a effectivement une attention toute particulière portée sur ce dossier. En l'occurrence, nous ne sommes ni juges ni procureurs. Il y a une instruction en cours. Il y a une enquête en cours. Donc, pour le moins, nous sommes extrêmement prudents sur ce sujet. Il est urgent d'être très rigoureux dans notre manière de travailler. Donc les services s'y attachent, vous savez, ils ont fait ça à faire. Donc c'est vrai que quand même, ils travaillent énormément là-dessus. Et voilà. Juste une simple remarque, le fait que la ville ne possède pas les originaux des contrats qu'elle a, des conventions de certains qu'elle a elle-même passées avec l'autorité délégante, c'est quand même assez extraordinaire. C'est une remarque en passant. Après, ça peut être de la négligence, ça peut être des erreurs d'aiguillage, ils peuvent se trouver dans d'autres services, bon, c'est possible aussi. Hein. C'est vrai que nous cherchons activement ces documents, voilà, pour faire des rapprochements, pour voir, pour comprendre. Voilà. C'est une longue histoire depuis 1989, et c'est vrai que ça n'est pas très très simple pour les services à une époque où les choses étaient peut-être moins structuré dans les services. Voilà. Et sur la partie plage, ça fait un moment plage du soleil. Comment la ville peut avoir un PV de grand voirie? Voilà, c'est la bonne question. Comment c'est possible? C'est impossible. Voilà. Nous n'avons pas été verbalisés au motif que nous n'avons pas rempli nos obligations. Des obligations, nous n'en avons pas. Nous sommes, nous, sans concession depuis 2003. Donc réellement, ni on peut intervenir sur le territoire maritime, ce n'est pas notre compétence, ni on peut faire valoir une autorité de police, ça n'est pas notre compétence, parce que ça n'est pas notre territoire. Et nous n'avons pas de concession. La commune a eu une contravention de grande voirie au motif qu'elle était l'ancien concessionnaire en 2003. Donc je vous avoue que soyez prudents, vous tous qui avez loué ou avez été propriétaires, parce que si l'État va vous chercher 13 ans en arrière, c'est un petit peu dommageable. Donc j'ai fait valoir à monsieur le sous-préfet en direct, lui demandant si on était encore un pays de droit. Il m'a répondu que oui. Un pays de liberté, il m'a répondu que oui. Je lui ai demandé si la commune avait l'obligation de renouveler la concession. Il m'a répondu qu'au nom de la liberté, elle était libre de ne pas le faire. Donc c'est ce qui a été fait en 2003. La commune a considéré qu'elle n'avait pas envie. Je ne sais pas pour quelle raison, hein, ce n'est pas le propos.
qu'elle n'avait pas envie de renouveler la concession. C'est son droit. À partir de ce moment-là, c'est l'autorité du préfet de l'État qui s'applique. On vient me chercher, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Ceci étant, pour l'histoire, pour que les choses se normalisent, aussitôt installée, j'ai eu le plaisir d'avoir la visite de la DTTM qui est venue me dire tout le mal qu'elle pensait de la commune, parce que la commune n'avait pas renouvelé la concession. En conséquence de quoi, les plagistes allaient être sanctionnés. On m'a dit qu'on allait mettre les CD, qu'on allait envoyer toutes sortes de choses extrêmement méchantes, qu'effectivement, ils auraient une contravention devant le voirie, ce qui les empêchait de faire de travailler dans la mesure où, si concession et renouvellement il y avait, ils ne pourraient plus postuler et candidater. C'était de fait par la loi interdit. Donc, dans un souci d'harmoniser, de pacifier les esprits, j'ai considéré qu'il était bien de faire la proposition de renouvellement de la concession et verbalement, nous avons eu un accord moral. C'est-à-dire, la commune reprenait en charge toute cette procédure, se repositionnait, montait le dossier de renouvellement de la concession, en conséquence de quoi, on laissait nos plagistes tranquilles. Ça a été le cas. Ils ont dit d'accord. Nous avons tous les mails des services qui, depuis 2014, font le travail de montage du dossier, ce qui se fait en 5 minutes. Hein. Une fois, on nous demande des études de courantologie, après, on nous demande des esquisses sur la plage pour savoir exactement quelle forme, etc. Donc, il faut chaque fois aller voir des cabinets qui sont très, très onéreux. Donc, on le fait, hein, c'est le jeu. Voilà. Donc, on en était là quand un agent est allé en février verbaliser à 15h20 les plagistes, alors qu'ils n'étaient pas là, nous par la même, donc solidairement, nous avons eu une contravention de grande voirie. Bon, qui s'élève à combien, s'il vous plaît? Non, pour le moment, ça ne s'élève à rien, puisque ça n'est pas passé au tribunal. Hein, et c'est le jugement qui va définir si il y a matière à avoir astreinte ou pas. Donc aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas de... Voilà. Bon, nous, évidemment, nous avons saisi nos avocats qui sont en train de travailler. Donc, évidemment, le travail n'est pas très compliqué, hein, parce que d'être verbalisé au motif que nous sommes, que la commune est l'ancien concessionnaire, c'est une première. Alors. Il y a deux sujets distincts que je ne voudrais pas mettre sur le même niveau. Le premier, c'est sur le PV, justement. Est-ce qu'il est légitime que la ville ait commis un PV ou pas? Je pense que ce que l'État reproche à la ville, c'est en fait le système, le domaine public maritime appartient à l'État, il le concède à la ville et la ville le sous-concède aux plagistes. Ensuite, quand la ville, en 2003, a décidé de ne pas renouveler la concession, quelque part, il a rendu la concession à l'État, mais il l'a rendu avec des constructions qui, du point de vue de l'État, aurait dû être retiré. Donc l'État estime que c'est de la faute de la ville si les constructions ne sont pas retirées. Donc ça, c'est pour expliquer le mécanisme. Je ne dis pas qu'il a raison, que c'est bien... Ce n'est pas le détail de la contravention. Sur la contravention, c'est le seul motif, c'est au motif que la commune est l'ancien concessionnaire. Oui, l'ancien concessionnaire. Voilà. Mais pas que la commune n'a pas fait le travail. D'accord. Voilà. Donc, et le point plus important que je voulais évoquer, c'est les autres communes, elles ont assaini la situation. Elles ont lancé des procédures d'attribution, de concession, elles ont relancé un mécanisme, et nous, on a l'impression qu'on laisse pourrir la situation et qu'au final, tout le monde en pâtit. Je viens de vous l'expliquer. Il y a deux étapes. La première étape, c'est un dossier qui demande le renouvellement de la concession. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sauf que la DDTM, chaque fois que nous aboutissons quelque part, nous redemande une étude de quelque chose. Donc c'est la DDTM qui vous a ralenti dans votre demande de relancer la concession? Non, mais chaque fois, c'est des études complémentaires, effectivement. Bon, il faut... Quand il vous a fait il y a plus d'un an, Cannes il y a plus d'un an aussi, et nous, on n'y arrive pas. Non, mais Cannes, la faute de la DDTM. Si vous voulez, moi, je suis arrivée en 2014, donc auparavant, rien n'avait été fait. Bon, c'est un fait, voilà. Il n'y avait rien. Donc c'est une procédure qui est lente, il faut monter le dossier, il faut le soumettre aux ABF, enfin tout le monde. Voilà. Pourquoi nous on n'y arrive pas quand Antibes y arrive? Mais nous on y arrive. Simplement, avant d'aboutir, ils ont décidé de dresser une contravention. Donc j'ai considéré, j'en ai averti monsieur le sous-préfet, qu'à partir du moment où le contrat moral est rompu, j'ai arrêté toute procédure de renouvellement. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous pouvez, on ne peut pas
demander à une commune tout et son contraire. C'est-à-dire, je suis venue, je vous le dis franchement, entre les services de l'État et les plagistes pour les protéger. Voilà, parce que j'ai cette faiblesse, c'est d'être très attachée aux plagistes, d'abord parce qu'ils créent énormément d'emplois. Si je peux me permettre, prenez-le comme vous voulez, mais vous êtes attachée à défendre l'intérêt général, pas à défendre les plagistes. À un moment, il faut assumer, il faut faire les choses, il faut dire les choses, il faut défendre l'intérêt général. Et là, ça fait 2 ans que la situation pourrit, et alors que dans les autres villes, on y arrive. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous sors tous les mails, il y en a encore qui sont très récents. Pourquoi la DPDM a décidé brutalement pour me faire accélérer? Je ne peux pas accélérer, c'est technique. Ce n'est pas moi qui monte les dossiers, c'est les services. C'est technique. Moi, je ne peux pas aller plus vite que ce que me disent les services techniques. Et donc, les services techniques me disent, Madame le maire, on vient de nous demander des esquisses pour les établissements. Il faut aller chercher un cabinet d'architectes agréé. Eh bien, j'ai aller chercher un cabinet d'architectes agréé pour faire des esquisses. C'est pas moi qui ai ralenti, je suis désolée. Maintenant, aujourd'hui, on est d'accord que les plagistes sont sans droit ni titre, qui ne versent pas 1 euro à la ville et que ça ne respecte pas la loi électorale. Ça, on est tous d'accord. Et là, vous venez de nous dire aujourd'hui que vous suspendez le fait de relancer des concessions. Donc, je suis en contentieux. Donc, je ne vais pas traiter avec un service avec lequel je suis en contentieux. Non, mais attendez, je suis très carré dans la tête, vous voyez. Quand je passe un contrat, même moral, j'ai une parole, j'en ai pas deux. Donc, je dis, je fais. Je dis, je monte un dossier. Bon, c'est pas moi, bien évidemment, c'est les services compétents. Ils montent le dossier. Entre-temps, on tombe dessus en disant, eh bien, on vous dresse une contravention parce que vous êtes l'ancien concessionnaire. Je ne comprends plus. Ça veut dire que, de toute façon, aujourd'hui, les plagistes ont une contravention de grand prix. Ça veut dire que demain, si je renouvelle la concession, ils sont interdits de fait. Ils ne pourront pas postuler. Ils sont interdits. C'est la loi. Donc, je considère que le contrat moral, c'est peut-être que moi qui l'ai mal compris, c'est comme ça que je l'avais vu. Peut-être que je me trompe, j'accepte. Sauf que le contrat moral, pour moi, quelque part, est rompu, dans la mesure où je ne peux plus protéger mes plagistes. J'ai quand même deux institutions très connues, vraiment, à tel point, je vous le dis, et on va certainement, dans pas longtemps, parler de Golfe-Juan, que ça a valu, et c'est exceptionnel, la création d'un congrès des plagistes, restaurateurs, hôteliers à Cannes, fin mai, qui va venir débattre du problème de Golfe-Juan. Voilà. C'est vous dire l'émotion et le choc de tous ces gens. Tous les syndicats de France sont mobilisés autour de cette affaire, ne comprenant pas comment la mairie renouvelle et monte son dossier, comment on va dresser une contravention de grande voirie à la commune qui est en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire, et comment on verbalise les plagistes alors que c'était vraiment le préalable, c'était de renouveler pour que les plagistes soient quelque part protégés. Là, c'est fini, ils ont une contravention de grande voirie. Ils ne pourront plus se présenter à aucun marché sur le Golfe-Juan. Vous imaginez un peu? Je partage l'émotion. Comment voulez-vous que je le prenne bien? Je l'ai mal pris. Je l'ai dit au préfet. Je partage l'émotion et le choc de toutes ces personnes, mais je trouve que les réponses... Des centaines d'emplois, monsieur Fabio. Alors, défendre l'intérêt... J'aimerais bien finir. Non, mais je réponds à votre question. Défendre l'intérêt général, je m'y attache jour et nuit. Sauf que je ne comprends pas comment on détruit des pans entiers, des secteurs qui créent de l'emploi. En plus, j'étais rentrée dans la règle et dans la loi, et là, on me fait le bonheur de m'adresser une contravention de l'emploi. Je ne comprends pas, M. Falco, et je vous dis que demain matin, je vois le directeur qui a voulu tout de suite, parce qu'évidemment, quand j'ai dit, écoutez, le contrat est rompu, on arrête, on ne renouvelle pas. Donc demain matin, il vient me voir. Et oui, mais il va falloir qu'il m'explique. Il va falloir qu'il m'explique. Parce que moi, le deal, c'était ça. Je protégeais les plagistes. C'est-à-dire, je leur donnais la possibilité de postuler lorsqu'il y aurait cette proposition de concession. Or là, on a sanctionné mes plagistes, donc je ne comprends plus bien.
Je voulais vous dire, moi je partage l'émotion et le choc de toutes ces personnes. Je trouvais juste que les réponses qui ont été apportées n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Qu'on aurait pu aller plus vite, qu'on aurait pu les protéger plus vite. Qu'on aurait pu défendre l'intérêt général. Je vous invite écoutez, moi c'est pas moi d'aller plus vite. Je ne sais pas comment on va plus vite quand c'est technique et quand on monte un dossier. Je ne sais pas. C'est pas moi qui décide. J'ai des graphistes. Mais à Cannes, ils ont commencé il y a déjà 3 ans. Tout le projet était fin prêt. Vous êtes élu depuis 2 ans. Oui, et alors il a été monté tout de suite. Bon, donc vous voulez dire, vous êtes en train de dire que mes services travaillent mal. Bravo, merci, ils sont là derrière. Monsieur Jacques Omaranza, je crois que vous allez apprécier. Je vais m'adresser à vous, pas à vos services. Et si, mais malheureusement, c'est mes services. Vous savez très bien que l'élu pose le plan et c'est les techniciens qui travaillent. Donc vous venez dire que nos services sont lents et travaillent mal. Merci. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Oui.